j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette 12e vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de montrer le chemin du cœur et des sens au masculin. Je dis bien au masculin, je n'ai pas dit à l'homme. Mais à notre côté masculin en chacun de nous. Si on regarde la sensibilité, la douceur, l'intuition, l'affectivité, ce sont, et même le désir, hein, c'est toutes des tangentes féminines. C'est toutes des tangentes de notre côté féminin. Fait que plusieurs même de nos sens psychiques, parce qu'on a 5 sens physiques et 5 sens psychiques, plusieurs de nos sens psychiques sont situés du côté du féminin. Alors, c'est facile à comprendre pourquoi il appartient principalement au féminin. Mais à la personne dont son côté féminin est le plus développé, c'est à cette personne qui appartient de montrer le chemin du cœur et des sens au masculin. Vous allez remarquer que c'est presque toujours la femme, hein, parce que le côté féminin, très souvent, il est plus fort chez la femme, que c'est presque toujours la femme qui va amener le couple à un autre niveau, qui va amener le couple un peu plus loin, qui va guider le couple. Hein. Je l'observe à plusieurs reprises. Ça implique également le fait que de certaines femmes qui se sont éteintes en se sacrifiant leur côté féminin pour les besoins du masculin. On le voit énormément aujourd'hui avec la performance et la pornographie, c'est ce qui en résulte. C'est pourquoi il n'y a plus de désir, il y a beaucoup moins d'intuition, de sensibilité. Fait qu'il nous devient essentiel aujourd'hui de se reconnecter à soi, de retrouver notre pouvoir sur notre féminin. Et dans le programme Monter au 7e ciel, à ne pas confondre avec Vivre le 7e ciel, hein, dans le programme Monter au 7e ciel, on va explorer autant notre côté féminin que notre côté masculin. Vous allez apprendre via divers exercices tout en expérience, hein, parce que vous allez avoir à les expérimenter, à faire la paix avec ces deux parties que vous habitez, votre masculin et votre féminin, pour vivre une meilleure sexualité et une meilleure complicité. À tous les exercices qui vont être présentés lors de monter le 7e ciel, se fait toujours en deux parties. Donc, la première va se vivre seule avec soi en solo, parce qu'on sait que tout part de soi. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas en couple présentement, vous pouvez quand même faire cette formation-là, parce que c'est, vu que c'est fait en deux parties, la très grande majorité va se vivre de façon solo. Et il y a un ou des exercices qui vont être faits pour vivre en couple. Mais cette partie-là, ça va vous permettre de pouvoir expérimenter justement cette complicité du fait de l'amener en couple, mais de vivre l'expérience d'abord pour soi. Et même quand on le vit en couple, on le vit pour prendre conscience soi-même de l'expérience qu'on vit à travers ça. Donc, demain, on va parler de carence en sensualité, qui est justement, hein, une résultante de l'oubli de son féminin, hein, du fait de ne pas s'occuper et de ne pas montrer le chemin au masculin des sens et du cœur. Mais en attendant, je vais vous inviter à venir visionner les vidéos que je vais mettre en lien en dessous, soit la vidéo de présentation et le webinaire pour monter au 7e ciel pour avoir davantage de détails. Donc, moi, je vous dis bye bye et à demain. Bye!